Lorsque mesdames chaudes et froides sont enceintes en même temps, il y aura beaucoup de surprises époustouflantes. Des piments avec du miel, du poisson et de la glace, des incendies qui font rage et des tempêtes de neige se produisent en ce moment sur Woohoo Motion. Salut Cindy! Salut! J'ai de très bonnes nouvelles, tu vas paniquer! J'ai aussi une surprise, je suis enceinte! Attends Molly, regarde! J'ai deux flocons! Les amis chaud et froid sont déjà très émotifs, et ce n'est que le début! Découvrir le sexe du bébé est tellement excitant! Prêt? Le ballon a été plein de flocons de neige. Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier? Cela n'a pas d'importance. Je t'aime quoi qu'il arrive. Eh bien, prêt? J'espère que c'est un garçon. 1, 2, 3. Yay! Le charbon signifie que c'est un garçon, probablement. Je vous prescris des vitamines. Prenez-les le matin juste après avoir mangé. Ok, compris. Et vous m'avez promis de m'apprendre une technique de respiration quand je vais accoucher. Ah oui, bien sûr, c'est vraiment facile. Détendez-vous et respirez, comme ça. Ok, compris, comme ça. Le médecin de Cindy pourrait se transformer en une grande statue de glace de son souffle. Oups, je suis allé à la mer. Au revoir. Vous savez, docteur, le bébé est déjà si gros, j'ai un peu peur d'accoucher. Comment je peux gérer ma peur? Eh bien, vous avez juste besoin de respirer, regardez. Oh, je vais essayer. Et Molly a presque rôti le docteur. Il faut être prudent avec les exercices de respiration. Oh, je suis vraiment désolé. Oh, il donne des coups de pied. Allez, laisse-moi écouter. Ah! Notre futur papa s'est brûlé la main. Le bébé chaud est méchant. Ma paume, ça brûle! Je suis vraiment désolé. Cindy et Bruce ont décidé de passer leur nuit à jouer aux cartes. On dirait que le bébé veut jouer aussi. Ah ah, il est si intelligent! Les chats ne font pas des chiens! On dirait que le mari de Cindy passe trop de temps avec le bébé. Il va être gelé à force. Vous êtes donc enceinte de 19 semaines. Ouais. Vous vous sentez bien? Oui, oui. Alors on peut faire une échographie. Le médecin en a beaucoup vu au fil des années. Mais c'est la première fois qu'il voit une tempête de neige. Ne vous inquiétez pas, c'est censé être comme ça. Vos résultats de test sont excellents. Le bébé est en bonne santé, pas besoin de s'inquiéter. Merci docteur. Laissez-moi voir l'échographie. Une autre grossesse bizarre. Maintenant, le ventre est plein de feu. Quelle folle journée. Parfois, vous pouvez profiter de votre grossesse. Vous pouvez utiliser votre bosse comme support pour manger. Où est le pain? Molly est distraite pendant une minute et sa soupe commence à bouillir. Cindy a décidé de déjeuner au lit aujourd'hui. Mais pendant qu'elle cherchait le sel, le plat sur son ventre s'est transformé en glace. Ah, comment est-ce que je suis censé manger maintenant? Molly ne parvient pas à se réchauffer, il est temps d'appeler de l'aide. Bébé, bébé! Je suis ici, ma reine. J'ai un peu froid, tu peux me faire une tasse de quelque chose de chaud, s'il te plaît? Du thé? Parfait! Je reviens tout de suite. Tiens, réchauffe-toi, mon amour. Encore une tasse. Voilà, tu es si gentille. Le goûter de Molly s'est transformé en marathon du thé. Il ne reste plus de tasse dans la maison. La vie est belle. Et Cindy aura chaud tout le temps. Laisse-moi souffler sur toi. Oh non, ça n'aide pas.
Regarde ces ventilateurs, tu veux les essayer? Non! Et qu'est-ce que tu dirais de deux à la fois? Non, je veux pas. J'ai une idée. C'est génial, maintenant je peux dormir. Vous avez toujours envie d'une collation sucrée quand vous prenez une tasse de thé. Mais les filles enceintes ont toujours des envies spéciales. Oh non, je peux même pas regarder le sucré. Je veux quelque chose d'épicé. Oh, c'est exactement ça. Tiens, du piment chaud. Délicieux. Et je peux aussi pimenter mon thé. C'est parfait. Salut! Je vais prendre le poisson fumé et une double portion de glace. Voici votre commande. Merci beaucoup. J'apporte les couverts. Quelle bonne odeur! Peut-être une fourchette? Non, merci. Délicieux. La bosse de Cindy est devenue beaucoup plus grosse et elle ne peut plus atteindre ses talons pour appliquer de la crème. Oh, je me sens si impuissante. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais je peux plus atteindre mes pieds, tu vois? Attends une seconde. Bruce sait déjà à quoi s'attendre de sa femme froide. C'est pourquoi il s'est réchauffé avant de l'aider. Mais même le chapeau le plus chaud ne peut pas le sauver de l'avalanche d'émotions de Cindy. Molly a parfaitement fait ses ongles. Mais peut-elle gérer ses orteils? Bébé, viens ici s'il te plaît. Aide-moi avec mes ongles, je peux pas les atteindre. Une seconde. Un casque de soudage n'est pas super confortable, mais au moins c'est sûr. Molly a finalement trouvé une fenêtre dans son emploi du temps chargé pour rencontrer son ami. Alors qu'est-ce qu'on va commander? Quelque chose de piquant. Eh bien je sais pas. Allez, ça va être délicieux! Je voudrais ça s'il vous plaît. Et une sauce extra piquante. Excellent choix. On verra bien. Voici votre commande. Ça a l'air délicieux, merci. C'est pas du tout épicé. Je peux ajouter du tabasco. Waouh! Un peu de sauce et c'est mieux. Tout ce que Madame Chaude pense être bon est un désastre pour une fille ordinaire. De l'eau, vite! Arrêtez ça, la pizza c'est bien. Oh, c'est épicé! J'ai besoin d'eau! Comment est-ce que tu peux manger ça? C'est savoureux, essaye! Merci, mais non, merci. Le shopping pour bébé est probablement ce que les femmes enceintes aiment le plus. Il manque quelque chose. Cindy a décidé de fabriquer à la main un jouet à hochet pour son bébé. Comme c'est mignon! Et ça fait du bruit quand le vent souffle. «
Molly ne peut pas trouver un bon jouet pour son bébé sur Internet non plus. Oh, c'est parfait! Oui, bonjour, je veux commander votre jouet à Hochet Design. Waouh, il est parfait! Maman l'a choisi pour toi, tu vas adorer mon amour. Oh, le bébé donne des coups de pied! Chérie, viens ici! Écoute, il frappe avec son pied. Quoi, maintenant? Ouais, écoute! C'est bizarre, c'est comme du bois qui crépite dans une cheminée. Le bébé de Cindy danse dans son ventre avant de s'endormir. Hé, chérie, viens ici! Quoi, est-ce qu'il bouge? Je peux écouter? Mais oui, bien sûr, viens! Et ne lui fais pas peur! Quel miracle! C'est comme une tempête de neige là-dedans! C'est normal? Mais oui, oui, c'est ça, c'est bien pour le deuxième trimestre! Vous avez aimé nos amies enceintes chaudes et froides? Alors dites-nous ci-dessous quel mari vous aimez le plus! Et si vous voulez voir la suite de cette histoire? Écrasez le bouton pour vous abonner, likez cette vidéo et cliquez sur la cloche! Ne manquez aucune vidéo fascinante de Woohoo Wamotion!